monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Today, on se retrouve pour une journée avec moi. Donc je vais vous montrer tout ce que je vais faire aujourd'hui. Oh purée, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur ma caméra, c'est une blague. Bon, on va faire ce qu'on peut, au pire je finirai au téléphone. Mais c'est parti, let's go pour cette petite journée. Bon, du coup au programme, demain c'est l'anniversaire de Paulin. Du coup on doit lui préparer son anniversaire. Donc il faut que j'achète de la déco, son cadeau, la bouffe. Faut aussi que j'achète des rangements pour notre chambre parce que c'est le bordel. Et j'ai plus de place pour tout mettre là. En plus avec les cadeaux de Noël et tout, j'ai encore moins de place pour ranger tout le monde. Donc je me dis, si j'achète des meubles, au moins ça me forcera à ranger cette fucking chambre qui est tout le temps en désordre. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On doit faire les courses pour le repas de ce soir. Et c'est tout, faire un peu de shopping, se promener dans les magasins. J'adore mes lèvres, c'est un combo, un crayon de chez MAC. Je crois que c'est le Chestnut. Ou peut-être un peu plus foncé, j'essaierai de vous mettre la référence. Et le gloss, c'est un de chez Kiko. Et je vous mettrai aussi la référence d'un de chez Kiko qui ressemble trop à celui de chez MAC. Comme ça, pour un petit combo à 15€, vous avez le crayon, le gloss, beau gosse, beau gosse. Enfin, même pas 15€, je crois que 12€ les deux chez Kiko. Genre, c'est 7€ le gloss. Et 6€ le crayon, donc soit rien du tout. Du coup voilà, parce que je sais pas, j'aime bien, ça fait un effet un peu pulpeux. Genre on dirait que j'ai fait de l'acide hyaluronique alors que c'est mes vraies lèvres. Genre je vous jure, au travail il y a une des filles qui s'est fait refaire les lèvres, que j'aime trop plus. Et du coup les gens ils pensent qu'on a tout trop fait nos lèvres, alors que moi ben archi pas, genre c'est mes vraies lèvres. Bref, voilà, c'est juste pour dire que ça fait vraiment un effet genre comme si tu t'étais injecté une aiguille, tu vois. Donc pour celles qui ont des petites lèvres ou qui veulent avoir un effet un peu plus pulpeux, je vous mettrai le combo en barre d'information. Bon, on se retrouve une fois qu'on arrive au centre commercial parce que là j'ai plus rien à dire. Bon, on se retrouve, je suis dans fêter recevoir. Je sais archi pas quoi prendre, genre faire de la déco pour un anniversaire gars, c'est compliqué, mais je pense que je vais faire simple, je vais faire genre noir et doré. Je pense que ça ira très bien. Enfin, je pense que c'est bien. Du coup, je vais prendre cette nappe là. Je sais pas si je fais doré sur noir, mais je pense que c'est bien. Noir et doré. Je vais prendre une nappe noire. Et avec ça, je vais prendre des serviettes. J'ai déjà les verres dorés, donc c'est cool. Et après, je vais prendre un chemin de table. Ah, je pense que ça va faire beau avec celui-ci là. Un peu top. Comme ça, c'est pas mal. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un peu plus doré que ça. Mais je pense que c'est bien. Genre, regardez. Ouais, c'est bien ça, avec des assiettes dorées, serviettes noires du coup. Les verres je les ai, et les couverts je sais pas si je les ai ou pas, mais au pire je vais en reprendre. Voilà, je pense que ça va être sympa et on va tout miser sur les ballons et tout. J'ai dû prendre des chiffres, peut-être gonfler à l'hélium, je sais pas, que je viendrai chercher demain. Mais en fait je crois que j'ai la flemme un peu. Du coup je sais pas. Ouais, on va mettre les assiettes dorées, serviettes noires, donc je vais en prendre des noires. Est-ce que j'en prends des grosses? Ouais, je vais prendre ça, des noires. À moins que j'en prenne des petites. Bon, j'ai acheté, je suis désolée, j'ai plus de batterie dans mon appareil photo, du coup je suis avec mon tel. Je suis partie à la halle, il y avait une promotion, c'était 5 articles, moins 50. Du coup j'ai acheté plein de choses, j'ai pu prendre son cadeau, enfin ses cadeaux, mais je pense qu'il va manquer un petit peu, je vais lui faire 3 cadeaux. Et là du coup on est à Pitaya parce qu'on a, on a pas mangé tout ce matin, donc j'ai trop faim. Moi d'habitude je prends toujours un bouche taille, donc c'est ce que je vais prendre. Je sais pas si vous avez vu ma tenue, mais du coup j'ai mis un pull que j'ai offert à ma petite soeur pour Noël. C'est un pull Zara avec un sac Shein, mes nouvelles chaussures et un pantalon et mon petit bonnet que j'ai eu à Primark. Et voilà. Et du coup, après ça, on va aller à Primark. Et ensuite, on va aller à Grand Var pour donc Carrefour, pour faire les courses pour le repas de ce soir, faire les courses pour son anniversaire demain. Parce que demain, du coup, il y a toute ma famille qui vient manger chez moi, avec ma meilleure amie sûrement qui va venir pour son anniversaire. Du coup, on va graille. Je vous reprends. Bah, du coup, je vous reprends avant. On est à Pitaya. On va graille, j'ai trop faim les gars. Pitaya, je saigne. Ce
resto. Genre, en fait, au travail, il y a que Pitaya, un vieux snack et Ben Burger. Et du coup, je suis tous les midis, genre, je suis à Pitaya. Du coup, j'ai essayé de trouver des petits meubles pour notre chambre, enfin des trucs pour ranger tout mon bordel, parce que je sais pas, on va voir un petit peu. J'aime trop venir chez Ikea, genre m'imaginer plus tard dans ma maison et tout. Du coup, on va faire un petit tour. J'ai fait des petits achats chez Primark, je pense que je vous montrerai, mais je pense que je vous préparerai un haul avec tout ce que j'ai acheté dernièrement chez Zara, Nike et Primark, comment vous aurez tout dans une vidéo. T'as pas l'air séduit par l'idée là. Je voulais prendre ça en gros parce que j'ai plein de livres. Mais j'ai plein de livres, c'est vrai. Je pense que je vais prendre celle-ci du coup. Pas mal. Je suis rentrée chez moi, je vais ranger ma chambre parce que ma chambre c'est un bordel monstre. J'ai acheté un meuble chez Ikea, donc je pense qu'on va le monter ensemble. J'espère que ma qualité de téléphone est pas mal. Et bien pardon, qu'est-ce que fallait que je vous montre que j'ai acheté? Ah oui, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Paulin. Déjà, je lui ai pris ça. Donc, c'est un casque JBL. Voilà, genre un casque sans fil. Après, je me suis acheté des trucs à H&M, Primark et tout. Mais je vous montrerai quand je ferai mon haul. Et j'ai aussi acheté des chaussures chez La Halle. Mais je vous montrerai quand je ferai mon haul aussi. Voilà. Et venez, je vais vous montrer de suite. Je vais vous montrer... Quoi, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, je vais vous montrer le meuble que j'ai acheté Je vais vous montrer le meuble que j'ai acheté pour ranger mon make-up dedans. Du coup, c'est celui-ci, là, de chez Ikea. En fait, il est comme ça, là. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, j'arrive pas à tirer la feuille. Mais du coup, c'est celui-ci. De base, il était à 9,99€ et il a été en rupture de stock et tout le monde l'a acheté et parce qu'il est à 9,99€ et il est hyper pratique, sauf qu'ils ont augmenté les prix. Il est à 16,99€ maintenant, donc j'ai trop la mort de l'avoir eu à ce prix-là alors que de base, il était à 9,99€. Donc bon, du coup, je vais monter ça et je vais commencer à ranger tout mon make-up dedans en premier lieu. Parce que là, j'ai honte de vous montrer, mais c'est n'importe quoi. Genre, c'est vraiment le bordel. On se retrouve le lendemain, c'est l'anniversaire de Paulin. Ma qualité, elle est éclataxe, j'ai trop la mort. Et j'ai toujours pas chargé mon appareil photo parce que hier soir je l'ai oublié dans la voiture. Donc en vrai, si je l'aurais chargé, vous auriez pu avoir une qualité potable. Mais là, vous allez vous contenter de cette qualité merdique jusqu'à que je charge mon appareil photo et que je vous filme. On va finir les courses pour le repas parce qu'on a pris que l'entrée, le dessert. On n'a même pas pris le plat principal. Et ce soir, il y a tout le monde, enfin toute ma famille qui vient manger chez moi. Là on va aller à Action pour voir un petit peu ce qu'on peut acheter parce qu'on adore passer à Action, genre c'est notre rituel. Ce soir pour l'entrée j'ai prévu un plateau de fromage. Du coup je suis en train de voir des plateaux puisqu'on n'a pas de plateau chez moi. Je voulais genre un truc en bois assez cutie, mais je sais pas quoi prendre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai envie de prendre. Tu vois, il y a ça là, c'est des plateaux comme ça. Genre je mets tout le fromage dessus, on le met au centre. Mais étant donné que c'est une grande table, je me dis si on regroupe tout au milieu ça va être galère. Je préfère peut-être faire deux plateaux. Alors je sais pas si je prends ça. Après il y a ça mais c'est trop petit. Genre c'est trop petit à 2,99€. Ou sinon il y a ça. Non mais même ça là je pense que c'est trop petit aussi. Voilà, donc il y a ça. Après il y a ceux-là aussi qui sont pas mal, que je peux peut-être prendre. Ou sinon, oui, sinon j'ai vu ça, qui est pas mal. Genre j'en prends deux ou trois et on le met en long sur... Ah bah lui il a trouvé ça. Ouais mais tu vois, je me dis si on en... Il n'y en a pas un carré ou quoi, il n'y a que ça? Attends. Bon, on se retrouve avec une meilleure qualité, mais une tête de cul. Je vais en profiter pour m'attacher les cheveux. Il est actuellement... Quelle heure il est? Les gars, on se retrouve... On dirait pas une folle, là, en fait, avec ma coupe. Il est genre 18h33. J'ai absolument rien fait. En fait, on m'a appelé pour le taf.
Et du coup, il fallait que je réponde, donc ça m'a tenu à peu près 30 minutes, genre flemme. Mais du coup, là, on s'attaque aux préparatifs. Je n'ai ni le gâteau fait, ni l'apéro fait, rien de fait. Donc, on va commencer par les plateaux de fromage. Au moins, l'entrée, ce sera fait. Et au pire, le reste, je le ferai pendant qu'il finirait l'entrée. Genre, je me crois vraiment dans un dîner presque parfait, là, oui. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je sais pas si je vous ai montré, du coup, mon choix final. J'ai pris... Faut pas te souvenir du bout de cornichon, parce que j'ai coupé des cornichons. J'ai préparé des petites assiettes avec ça dedans. Mais j'ai pris ces plateau là chez Action, donc il faut bien que je les nettoie et ensuite je vais faire mes plateaux de fromage dessus. Donc je pense que je vais vous poser, je vais vous mettre en accéléré, mais je pense que ça va faire trop beau. Je vais vous montrer la table parce que j'ai quand même eu le temps de faire ma petite table, donc j'ai tout mis dessus, c'est gold et black, genre je trouve que c'est trop joli. Voilà, ensuite là je vais libérer l'espace pour mettre tous ces cadeaux. Donc là il y a une partie qui est là et après chacun me donnera ses cadeaux quoi. Et ensuite là je vais virer tout pour mettre les boissons, enfin faire le genre de bar. Et après ça aussi je vais virer, je vais nettoyer, enfin je vais faire un coup de clean un petit peu. Pendant que certains sont tranquilles dans leur vie. Du coup voilà ma petite table, genre je trouve ça trop beau. Du coup j'ai trouvé ça comme dessous de table, j'ai mis des petites serviettes dorées, les feuilles d'or là, je trouve que ça fait tout. Ça c'est les verres de Noël qu'on a gardé, donc trop cool. Et ensuite on a les assiettes etc, donc je sais pas, je trouve que ça fait assez simple. Bon dommage pour les chaises hein, c'est horrible, mais c'est simple et classe. J'ai pris des tomates cerises. Là on a des cornichons, j'ai pris des olives, du coup que je vais étaler comme ça. J'ai pris de la charcuterie, donc jambon cru, mozza, ça parce que je vais aussi faire des sticks de des toasts fromage chèvre au miel, donc avec le pain, donc il faut que je m'occupe de ça aussi. En vrai là je suis grave en retard, genre je vous parle normal alors que je suis archi en retard. Je sais qu'il appelle le crottin de chèvre, j'ai pris ce fromage là, j'ai pris pas mal de fromage, du saucisson. De la recette, encore du, ça c'est du foie de catalan et du camembert, des tomates cerises encore mais là je les ai prises en vrac et j'ai pris encore de la mozza, du roquefort et encore de la charcuterie. Du coup c'est parti, vous voyez plus rien. Du coup mon plateau il est ici, je vais le nettoyer et puis ensuite je vais commencer à tout placer. Voici le résultat final de mes petits plateaux. Je vais en prendre un pour vous montrer. Alors, du coup, où est-ce que je peux me mettre pour que vous voyez bien, sans voir tout mon bordel. Du coup, j'ai mis des tomates cerises, ça, roquefort, camembert. Il y a des spécialités de fromage que je connais pas. Là, on a des petits concombres, olives, concombres, saucissons. Comment ça s'appelle ça, là? Rosette et du jambon cru. Et ça, c'est des cornichons, c'est pas des concombres. Ah, pardon. Du coup, voilà, donc j'en ai fait deux comme ça. Ce soir, on est 8. Donc j'en ai fait. Ouais, on est 8. Non, on est 7. J'en ai fait deux comme ça, là. Et puis là, j'en ai fait un avec les toasts. Et ils sont excellents. Ils sont trop bons, mes petits toasts. D'ailleurs, je vais en remanger un. Ils sont vraiment trop bons, chèvre au miel, genre vraiment ça paye pas de mine, ça coûte pas cher. Tu prends ton petit bout de pain, tu mets du chèvre dessus, tu mets du miel et c'est excellent. C'est trop bon. Bon, on est toujours en pleine préparation, je me suis changée, je me suis make-upée, j'ai fait un petit eyeliner sur style, petit contour dont je vous ai parlé hier que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me prendre des droits d'auteur, mais c'est pas grave, au pire c'est pas grave. Du coup j'ai fait, je me suis même pas coiffée, je me suis juste attachée les cheveux. J'ai mis bon mes petits bijoux, petits bracelets, tout que j'aime bien, petite boucle d'oreille de chez Action, maison d'ailleurs, j'en ai perdu un. Et petite robe, et j'ai mis des chaussures, je vous les montrerai peut-être plus tard si j'y pense, que j'ai acheté dans un magasin un peu chinois là, vous voyez. Et du coup là je vais m'attaquer au gâteau, genre il est 21h bientôt, j'ai toujours pas fait le gâteau, tout va bien. Mais du coup je vais le faire tranquille et puis après on va passer à table, on attend que ma mère finisse ses cours de danse et rentre à la maison pour pouvoir commencer la soirée. Je vais vous montrer dehors, j'ai mis... Quand je regarde 6 mois derrière moi, 1 an derrière moi... J'ai fait du coup là avec les plateaux, genre ça change tout. Du coup, qu'est-ce qu'il fait rêver aujourd'hui? Voilà, voilà, petit plateau de fromage. C'est trop beau. C'est quoi ça? A few moments later.
on va pouvoir faire des gravures sur les masques, sur les dos. Ouais, carrément. C'est génial. Ah ouais. C'est quoi? C'est un casque de gigot. Ah, bien. Non, ça, je... Non, mais en même temps, je lui dis, fais ça, un tour. Le gars, il va faire un tour à côté de moi. Genre, il fait exprès de regarder les chaussures que je suis en train de regarder. C'est pareil. Non, ça, c'est lui qui les a choisis. Comme le téléphone. Oh, ouais. Il veut changer de style, il a dit. Ouais, non, elles sont belles. Hein. Ouais, elles sont belles. Ah, ouais. Elles sont en vrai cuir. C'est du vrai cuir. Il faut oser, hein. Ah, oui, il y a le coda. Tu vas être pris là. Attends, si t'es chauffé. Calculez pas ma tête. On se retrouve beaucoup, beaucoup plus tard. Mais j'avais zappé de clôturer la vidéo. Du coup, là, je viens de finir le montage. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. On a passé une trop bonne soirée. Il a été gâté. Je suis content. Je n'ai pas pensé à tout parce que je voulais juste profiter du moment. Du coup, on se fait d'énormes bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous. Tiki.